Salut Jérôme, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et quelle est ton activité? Oui, pas de souci. Bah, donc moi, je m'appelle Jérôme. J'ai quitté mon emploi de cadre dirigeant dans une grosse entreprise. Aujourd'hui, voilà, j'ai pour projet de monter un business en ligne. Du coup, je suis ici pour monter un tunnel de vente et comprendre les pubs Facebook. C'était quoi finalement ton challenge principal avant ces 3 jours, le challenge qui t'a motivé à venir avec nous pendant ces 3 jours? C'est parce que pour moi la partie technique c'est très compliqué. Moi je suis plus terrain que technique, donc du coup la partie technique l'objectif c'est de repartir avec le tunnel de vente définitivement fait et d'avoir des bonnes notions sur les pubs Facebook. Yes. Là, on est à la fin de ces 3 jours, ça va bientôt se terminer, on termine à la fin de l'après-midi. C'est quoi la transformation numéro une là, que tu retiens de ces 3 jours, la grosse valeur ajoutée que tu retiens de ces 3 jours? Bah, je repars avec mon tunnel de vente prêt. Il peut être mis en place demain et les pubs Facebook aussi. Donc toute la technique est faite. Donc je peux vraiment me concentrer sur la communication sur les réseaux sociaux maintenant. On a discuté tout à l'heure rapidement dans la voiture. Si justement tu avais quelqu'un dans la même situation que toi auparavant, qu'est-ce que tu lui conseillerais justement de faire? De venir passer 3 jours non-stop sur l'ordinateur, sur la partie technique, et après c'est terminé. Ça évite de passer 6 mois sans finalement rien faire. Là, on est en groupe. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Et du coup, vous êtes plutôt disponible dès qu'on coince, vous êtes disponible et ça se décoince en moins de 2 secondes. Donc voilà, et pour le coup, on repart avec tous les éléments. Et dernière question, est-ce que tu peux nous dire pour toi qui sont Jules et Ben, ce qu'ils t'ont apporté là pendant ces 3 jours? Bah, Jules, il est spécialisé sur la partie technique et donc du coup, il maîtrise tout. Et Ben est plus sur la partie Facebook et il maîtrise tout aussi. Donc ils ont, je pense, un bon bagage derrière avec ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et adaptable à n'importe quel business, parce qu'on est cinq et on a tous des business différents finalement, mais voilà, ils arrivent à implémenter ce qui correspond le plus en fonction du projet, quoi.